Bonjour à tous, voici un nouveau volet de notre série dédiée à l'électronique numérique. Nous avons déjà passé en revue les codes employés et les opérateurs binaires. Nous allons maintenant utiliser ces codes et opérateurs pour réaliser nos premières fonctions numériques. Ici, nous allons parler de fonctions arithmétiques, c'est-à-dire des fonctions qui réalisent des opérations mathématiques sur des quantités qui sont codées en binaire. Et pour mettre en place les circuits numériques qui réalisent ces fonctions, nous allons avoir besoin d'aller un petit peu plus loin dans l'étude de la logique booléenne. La première fonction arithmétique dont nous allons parler, qui est aussi la plus simple, c'est le comparateur. C'est une fonction qui a deux entrées, notées ici A et B, qui sont les quantités que l'on compare et qui sont ici tout simplement codées sur un bit. Elles ne prennent donc que deux valeurs, 0 et 1. Le comparateur a trois sorties, A supérieur à B, A égale B, A inférieur à B, qui prennent aussi deux valeurs, 1 quand c'est vrai et 0 quand c'est faux. On a donc en entrée des quantités codées sur un bit et en sortie des valeurs booléennes. Dans la table de vérité du comparateur, on n'a jamais les trois sorties à 1 en même temps. A supérieur à B étant 1 quand A est égal à 1 et B est égal à 0. A égal à B est égal à 1 quand A et B sont égaux à 0 ou A et B sont égaux à 1. A inférieur à B est à 1 quand A égale 0 et B égale 1. Voyons maintenant l'expression logique de ces sorties. A supérieur à B, comme on l'a dit, est égal à 1 quand A égale 1 et B égale 0, c'est-à-dire quand A et B bar est égal à 1. Pour A inférieur à B, on fait à peu près exactement le même raisonnement. Donc on a A inférieur à B est à 1 quand A bar et B est à 1. Enfin, A égale B est égal à 1 quand, eh bien, quand on a le et inclusif de A et B qui vaut 1. On a donc trois sorties avec des expressions très simples obtenues à l'aide des opérations binaires élémentaires. Voici le schéma logique du comparateur que j'ai obtenu en utilisant PSIM, ce qui est un simulateur électronique dédié à la base à l'électronique de puissance, d'où le P ici, et qui traite aussi les signaux numériques. J'ai représenté les entrées à l'aide de générateurs de signaux carrés dont la fréquence est réglée de manière à reproduire la table de vérité. Les V dans des cercles, là, sont des sondes qui servent à relever les signaux. Le schéma logique se trouve ici. J'ai tracé à droite les chronogrammes des signaux obtenus, c'est-à-dire l'évolution des signaux au cours du temps. On retrouve bien ici la table de vérité et on voit aussi que A égale à B ici est à 1 quand A et B sont à 0 tous les deux ou à 1 tous les deux. A inférieur à B est à 1 seulement quand A est à 0 et B est égal à 1, etc. etc. On retrouve bien tout ce qu'on avait dans la table de vérité ici en ayant simulé ce schéma logique. Passons maintenant à une seconde fonction arithmétique qui est le demi-additionneur. On a dans ce cas deux bits en entrée, ce sont les bits à additionner, et nous avons deux sorties, la somme S et la retenue R. En effet, quand on pose une addition en système décimal, on la fait chiffre par chiffre, et si le résultat de la somme des deux chiffres est supérieur à 9, on a une retenue. Ici, c'est exactement pareil. Le résultat est codé sur la somme est codée sur un bit, et si le résultat de l'opération est codé sur plus d'un bit, on place le bit de rang supérieur en retenue. Plus clairement, si A et B valent 0, la somme vaut 0, on pose 0, on retient 0. Si A vaut 0 et B est égal à 1, on calcule 0 plus 1, le résultat est 1 et on a 0 en retenue. C'est la même chose dans le cas où A est à 1 et B à 0, on a dans ce cas-là 1 en somme, on pose 1 et on retient 0. Jusqu'ici c'était très simple, attention, suivez-moi bien, quand on calcule 1 plus 1, normalement on a 2.
Et 2 en codage, c'est 1, 0. Donc on pose 0 et on retient 1. On va maintenant déterminer les expressions logiques pour R et S. Commençons par l'expression logique de la retenue. R est à 1 si A et B sont à 1. Donc on a R égale A et B tout simplement. Pour S, on a des 1 sur deux lignes et ces deux lignes correspondent exactement au OU exclusif. Ici encore, on a des expressions très simples et on va avoir un schéma logique très simple. J'ai effectué la simulation exactement de la même manière que précédemment. Donc on a bien nos deux portes logiques, tout simplement, nos deux sorties et nos deux entrées. On retrouve bien la table de vérité pour A et B. Et on retrouve nos opérations 0 plus 0 égale 0, 0. 0 plus 1 égale à 0, 1. 1 plus 0 égale à 0, 1. 1 plus 1 égale à 1, 0. Mais il nous reste un problème à traiter. Quand on calcule une somme dans un système décimal, par exemple sur les chiffres des dizaines, on calcule la somme des chiffres, mais aussi de la retenue qui vient de la somme des chiffres des unités. Le demi-additionneur ne permet pas de calculer la somme des bits avec la retenue provenant de l'étage précédent. Pour cela, on utilise un additionneur complet. Avec ce système, on a 3 entrées et 2 sorties. C'est-à-dire qu'on a en plus la retenue entrante par rapport à tout à l'heure. Maintenant, la retenue en sortie, on l'appelle la retenue sortante. L'additionneur complet calcule donc la somme de 2 bits A et B plus la retenue entrante. On a toujours en sortie donc la somme et la retenue sortante. Les expressions de RS et S sont maintenant un petit peu plus complexes comme on a 3 entrées. On va relever les 1 dans leurs colonnes respectives et écrire les mains termes associés comme d'habitude. D'abord, pour RS, on trouve une expression avec 4 mains termes puisque dans la colonne, on a 4 1. Et on a 4 autres mains termes pour S puisqu'on a 4 1 à nouveau dans la colonne. Ces expressions sont un peu longues et on peut se demander si ce ne serait pas possible de les simplifier. Si vous revoyez la vidéo sur les opérateurs binaires, on avait déjà un peu parlé de simplification. Dans certains cas, on peut utiliser un opérateur au lieu de plusieurs, ce qui nous permet d'utiliser moins de circuits logiques et donc d'avoir des systèmes moins encombrants qui consomment moins. C'est particulièrement utile quand on veut créer des systèmes embarqués qui sont petits, légers, qu'on doit transporter et qui fonctionnent sur batterie. Alors comment on va simplifier ces deux expressions-là ? On va devoir utiliser les propriétés des opérateurs élémentaires. On a déjà vu, plus ou moins, que l'opération « est » était prioritaire sur « ou ». Donc ça nous force à utiliser des parenthèses, comme on faisait avec l'addition et la multiplication en arithmétique classique. On a aussi la commutativité, c'est-à-dire que A et B est égal à B et A, et pareil pour le « ou ». On a l'idempotence, ce gros mot-là, ça veut dire que si on utilise deux fois un opérateur, il ne va pas se passer grand-chose. A bar bar égale à A, on l'a déjà vu. A et A égale A, ça c'est nouveau. Je peux dire que ma solution est vraie si A et A est vrai. Ça revient à dire ma solution est vraie si A est vrai. Pareil pour le OU. L'élément neutre, c'est quelque chose qu'on va combiner avec, via une opération avec une variable, et il ne restera que la variable. Si je dis ma solution est vraie si A est vrai et quelque chose qui est toujours vrai, eh ben, ça, le résultat ne dépendra que de A. Pareil pour le OU, mais cette fois-ci avec le 0. Le contraire de l'élément neutre, c'est l'élément absorbant. C'est-à-dire que si je combine cet élément avec une variable, il ne restera que cet élément. Si je veux dire que ma solution est vraie, si A est vrai et quelque chose qui est toujours faux, ma solution ne sera jamais vraie. Donc mon résultat sera 0. Et on a l'inverse avec l'opération OU. On a aussi l'associativité qui nous dit que quand on a des opérations à plusieurs variables avec toujours le même opérateur,
On peut mettre les parenthèses n'importe où, voire ne pas les mettre du tout. Donc ça, c'est très proche de l'arithmétique en décimale. On a la distributivité. Alors ça, vous reconnaissez bien le fait de distribuer. Comme... Imaginez si on remplaçait mon L par une multiplication et qu'on était en arithmétique classique, on pourrait distribuer très facilement. On peut aussi factoriser, c'est l'opération dans l'autre sens. La nouveauté pour nous, c'est qu'en logique booléenne, on peut aussi distribuer le ou sur le est. D'où cette opération ici. Faites attention de ne pas oublier les parenthèses à ce niveau-là. On a la complémentarité. Si je dis que ma solution est vraie, si A est vrai ou A bar est vrai, en fait, on a balayé tous les cas possibles, ma solution sera toujours vraie. Pour le est, c'est l'inverse. Si je dis que ma solution est vraie, si A est vrai et A bar est vrai, ça, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Ma solution sera toujours fausse, d'où ce zéro. On a enfin le théorème de De Morgan qui dit que quand j'ai une opération avec une grosse barre en haut, je peux casser la barre, entre guillemets, mais il ne faut pas oublier de changer l'opération. Le est devient ou, le ou devient est. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très très utile quand on travaille avec des portes NAND ou des portes NOR. On va maintenant utiliser tout cela pour simplifier cette expression de RS qu'on avait tout à l'heure. J'ai simplement remis l'expression et je vais factoriser. Alors là, il faut choisir. Je vois RE qui apparaît trois fois, donc je vais factoriser par ce RE ici. Donc je mets tout ce qui reste entre parenthèses et je regarde ce que j'ai. Je vois que A apparaît deux fois. Je factorise donc par A et il me reste dans cette dernière parenthèse B bar ou B. Et là, par la complémentarité, je sais que B bar ou B, c'est 1 et que A est 1, c'est A. J'ai quelque chose d'un peu plus simple, mais je peux encore simplifier. Pour ça, je vais distribuer ici le OU sur le est. Donc ça, c'est l'opération qui est largement moins intuitive que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et en n'oubliant pas de placer mes parenthèses comme il faut, je retrouve ceci. A bar ou ba, ou A bar ou A, pardon, je l'ai déjà traité avec ce cas-là, ça fait 1, et 1 est quelque chose, ça fait juste le quelque chose. J'obtiens ce résultat-là, qui est peut-être encore simplifiable, mais vous savez quoi, j'ai fait 6 opérations, j'en peux plus, je m'arrête là, je vais me contenter de ça. On va faire maintenant la même chose pour S. Ici, je vois apparaître RE bar, ici, je vois apparaître RE. Donc, on va faire deux factorisations. Pouf. Et j'obtiens dans ces parenthèses des choses qui ne sont pas simplifiables en l'état, mais qui peuvent sonner une petite cloche quelque part. Ici, ça, c'est le OU exclusif. Et ça, c'est le est inclusif. J'obtiens ceci. Et si je me rappelle bien de ce que j'ai vu sur les opérateurs binaires de base, en fait, le « et » inclusif, c'est l'inverse du « ou » exclusif. Donc, je peux peut-être écrire ça comme ça. Et là, en réfléchissant encore un petit peu, je vois que j'ai quelque chose bar et un bidule, ou quelque chose et un bidule bar. J'ai ça, en fait. J'ai « RE » en « ou » exclusif avec, entre parenthèses, le « ou » exclusif de « A, B ». Ce qui me fait finalement cette grosse loi-là qui a été remplacée par cette expression avec juste deux opérateurs. Deux opérateurs, donc deux portes. Là, j'ai vraiment gagné en place et en coût. Et en énergie. Il ne faut pas négliger ça. Ces deux expressions m'ont permis de simuler l'additionneur complet. Donc, je retrouve ici le schéma logique dont je vous ai parlé. Toujours ici, mes entrées avec des générateurs de signaux carrés, dont j'ai bidouillé la fréquence pour reproduire, encore une fois, la table de vérité. Et j'obtiens bien le résultat ici. 0 plus 0 plus 0 égale 0. 0 plus 0 plus 1 égale 0, 1, etc. etc. Je vais aller un peu plus vite. 1 plus 0 plus 1 égale 1, 0. Et le dernier coup, c'est 1 plus 1 plus 1 égale 1, 1. Maintenant que j'ai un système qui fonctionne, c'est des additions bit à bit, on va voir comment on peut l'utiliser pour additionner des mots de plusieurs bits. Par exemple, si on additionne deux mots de 4 bits, on a un système à 8 entrées. Ouais, c'est pas simple, on a des fils partout.
Mes entrées, je les ai notées A3, A2, A1, A0. Ça fait le code d'une quantité sur 4 bits. Deuxième bloc d'entrée, c'est B3, B2, B1, B0, qui a le code de ma deuxième quantité à additionner. J'utilise 4 additionneurs complets qui calculent chacun la somme des entrées bit par bit. Ici les étages 0, 0, ici les étages 1, ici les étages 2 et là les 3. La somme aussi, elle est codée sur 4 bits, c'est les 4 sorties S des 4 additionneurs complets. Il faut enfin tenir compte de la retenue sortante globale qui est utilisée si le résultat final est codé sur 5 bits. Elle constituera le cinquième bit. À chaque étage, la retenue entrante et la retenue sortante de l'étage précédent. Ce système est tout simple et il s'appelle l'additionneur à retenue propagée. Mais cette architecture-là pose un problème majeur, c'est celui du temps de calcul. En effet, pour avoir le résultat final, il faut qu'on ait calculé la première somme, puis la seconde, puis la troisième, puis la quatrième. À chaque fois, il y a un temps de propagation des signaux électriques à travers les portes logiques dont on doit tenir compte. Et vu les cadences auxquelles les processeurs modernes vont, ces temps de propagation-là, eh ben, ils ne sont pas négligeables. Et donc, tout au long de la propagation, le résultat qui est affiché ici, il est incorrect. Ça, c'est pas bon. On va proposer une autre architecture. En général, on utilisera plutôt l'architecture à retenue anticipée. Dans ce cas, on ajoute à l'ensemble un bloc de calcul qui fournit la retenue sortante la retenue entrante de toutes les retenues des 4 étages d'un seul coup. Le calcul s'effectue donc en deux temps. D'abord, on calcule les retenues, puis on calcule toutes les additions avant d'avoir le résultat final. Ici, on a donc un calcul en deux temps, c'est ce que je viens de dire, contre 4 avec l'architecture précédente. On a gagné du temps, c'est plutôt pas mal. Voici des extraits de la documentation d'un additionneur 4 bits du commerce. Il est de type CMOS avec ce code 4008 ici, c'est ça qui montre que c'est une architecture de type CMOS. On reviendra sur les circuits intégrés pour le numérique dans une prochaine vidéo. Donc il s'agit d'un circuit intégré avec 8 entrées, les 8 entrées dont nous avons déjà parlé, A4, A3, A2, etc. Et puis les B4, B3, B2, etc. On a en sortie les S, plus la retenue sortante globale, c'est out, c'est parce que tout ça c'est en anglais, et en anglais, la retenue se dit carry. La table de vérité de chacun des additionneurs complets utilisés pour calculer les sommes bit à bit est conforme à ce que nous avons dit. Au passage, vous voyez que table de vérité en anglais, ça se dit truth table. Vous voyez l'architecture interne du circuit, c'est bien une architecture à retenue anticipée. Et la documentation précise qu'on peut utiliser ce circuit, donc tous les chips ici, pour calculer des additions de mots de 16 bits, par exemple. Et on va utiliser ici une architecture à retenue propagée. Le circuit global a aussi, on ne l'avait pas dit, un C-in, donc une retenue entrante. Vous mettez les retenues sortantes dans les retenues entrantes des composants suivants. Évidemment, on n'est pas obligé de faire ça si on veut quelque chose de très rapide. On peut aussi ajouter nous-mêmes un bloc de calcul de la retenue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. On a utilisé des outils, la lecture de la table de vérité, l'algèbre de boules, les schémas logiques, le chronogramme, et d'ailleurs ces trucs-là, on les a vus à l'aide d'un simulateur, même si c'était rapide. Et on a appliqué tout ça à des fonctions comparateurs et additionneurs. Nous verrons dans les prochaines vidéos d'autres outils et d'autres applications. En attendant, je vous dis à bientôt !